What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro... l'épisode numéro 6, je crois. Je vais la mettre en game mode. Trop habitué avec... à faire depuis la bêta de mon serveur, j'étais trop habitué à faire ça. Donc ouais, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 sur Ivonia. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui ça va être un épisode un peu YOLO. On va se trouver un endroit ou du moins une place où ce qu'on pourrait commencer à faire des petits une base et tout, parce que regardez, on a déjà quelques obsidiennes ici. On a un beacon pour que ça aille plus vite un instant. Désolé, je suis malade les amis, donc c'est la première fois que je fais des vidéos quand je suis malade depuis... Ça fait 3 ans que j'ai pas été malade, mais genre, je rigole même pas les amis, j'ai jamais eu de rhume. Enfin, malade comme je suis en ce moment, genre vraiment jamais avant aujourd'hui. Puis encore là, ça va durer encore une journée, je suis quelqu'un qui est vraiment presque jamais malade. J'ai pas de... mes cellules... comment on appelle ça? Genre tu sais, on a des cellules genre pour se protéger et tout, ben moi ils sont super élevés. Ben voilà, c'est tout, puisque je prends des médicaments et tout, je suis un putain d'autiste mental. Bon, ok, donc je rigole, donc on va aller au spawn. Faut que j'aille voir la banque combien d'obsidienne qu'on a. Tu pourrais me recruter. Wow. Le gars il fait coucou Icon, c'est quoi ta chaîne? Là je dis Icon, tu sais, wow, t'as 9000 abonnés. Tu peux me recruter. Enfin moi l'obsidienne de ma base. What the fuck? Parce que j'ai 9000 abonnés, tu veux être mon ami, c'est ça? C'est ça que tu veux là? Je le savais. Tous des bâtards ces mecs, ils veulent tous mon vagin. Donc on a quelques obsidiennes comme j'ai dit, on a 4 stacks et pile poil. On a un beacon. On va voir, dans un instant. Construction, on a 24, on va mettre ça là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme kit qu'on a, on a le droit. J'aime ça l'inventaire des kits, je sais pas si vous aimez ça vous aussi, moi j'aime bien ça. Je trouve ça stylé. EC, on va mettre les œufs de creeper là, la TNT là. Et puis le reste on va mettre ça à notre base. Ensuite qu'est-ce qui reste comme kit? Druide on s'en fout. Ça Divinity ça donne du P3 je crois. Ouais. Voilà. Donc on va aller mettre ça à la base. Et puis je vais chercher un emplacement loin pour essayer de faire une base. Je vais vous... Ben, dans le même épisode, dans cet épisode là je vais pas vous quitter là-dessus. Donc on va mettre ça là, tac 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 tac. Genre dans le kit d'immunité il y a 2 œufs de creeper aussi. Je pensais qu'on les avait mis dans notre œuf de... Ouais, ah ok. Damn, c'est cheaté comme kit quand même. Wow. Mes chers parents, je vole. J'ai cette chanson là dans la tête depuis le dernier épisode. Je sais pas pourquoi en plus. Donc attendez, ma pioche est où? Ici. Je vais prendre ma pioche puis mes sabots et mes sabots. What? Mes underpearls, excusez-moi. Voilà, voilà. Sodo KO. Et puis des blocs pour miner ou faire de quoi. Et puis on va faire ça comme ça. Et on va faire ça. Je vole. Bon, à plus les amis. Yo. Y'a la Warmin, on va aller au Warmin. Parce que YOLO, on est des thugs. Juste pour se faire un peu d'argent. Au KLM, on va prendre tout ce qu'on peut prendre. Donc voilà, je savais pas qu'il y avait une mine automatique, je savais vraiment pas, donc bah, c'est cool, on va l'utiliser. Enfin, si je veux dire, ça sert quand même à faire des niveaux et aussi avoir de la redstone, des objets comme ça qui se vendent dans le shop. Donc ouais, moi je suis pour, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire. Tout se vend de toute façon sur le serveur, donc je trouve ça intéressant quand même qu'ils mettent une mine automatique disponible pour tout le monde. Ils pourraient en faire une aussi plus grande pour les VIP. Qu'est-ce que ça doit se rendre, c'est que les gens qui auraient les VIP pourraient avoir un avantage de ce côté-là. J'ai l'impression que les gens cherchent juste le diamant, mais il faut pas oublier que la redstone et l'or se vendent. On voit que c'est des joueurs faction normales, ils jouent pas vraiment pour farm, pour to win. C'est un peu dommage, mais en même temps, bon, moi je vais passer derrière et je vais aller récupérer le reste, hein. Parce que moi, ben, je vais les faire cuire, ça va me faire un peu d'argent. Sachant que je suis pas super riche non plus sur ce serveur-là. En monnaie, je crois que j'ai à peine 2000$. Oh, on peut pas faire stash money ici. Je sais pas pourquoi, mais... Ce qu'on peut pas faire. Donc voilà. En plus, le fer aussi, donc... En fond, faut prendre le fer et tout. Le fer cuir et tout, c'est plus intéressant. Dégage, sinon je te tue. Il allait voler mon endroit, le petit bâtard. Il y a pas de technique, je pense, dans les mines comme ça. À moins, si vous en avez une, dites-le moi, les amis. Là. Je veux bien le savoir, votre technique. Mais je pense pas qu'il y ait de technique pour avoir du diamant ou... Enfin, je crois que c'est aléatoire qui spawn les trucs, non?
Oh, la personne qui était venue ici, faut croire. Ben moi oui. On a plein de niveaux, ça c'est cool. Ok. Se laminer vite fait. Ça va-tu profond encore? Non, ça va être là. Je vais marcher en dessous de lui, là, je vais trouver du diamant, il va être fâché, tu vois. Ta-da-ta-dam, ta-dam. Non, y'a rien. Oh, il y a du fer. Je vais juste prendre la redstone, vraiment tous les trucs qu'on peut miner pour comme ça me fait de... Ça me fait de l'argent un peu. Comme j'ai dit, je suis vraiment vraiment pauvre, enfin je joue vraiment pas souvent sur... enfin oui, j'ai joué souvent, mais ce que je veux dire c'est que je farme pas beaucoup la thune. Le premier épisode c'est plus été la construction, etc. Construction, même pas de construction, je sais pas ce que je raconte, mais... Enfin bon. Le lapis devrait être capable de se vendre par exemple. Le lapis, ce serait bon qu'il le mette en vente. Parce que c'est quand même rare, le lapis à part dans cet endroit-là. C'est pas facile d'avoir du lapis. Donc moi je vais prendre le fer cuire, parce que voilà. Il devrait avoir aussi une commande qu'on peut se faire cuire le fer tout d'un coup. Mais ils sont cons les gens, pourquoi ils prennent pas redstone? C'est vendable. Là tu vois, je retourne en haut puis ça c'est pas vendable, j'ai juste l'air d'un con. C'est quand même beau le voir, mais jamais. C'est quoi que ça dit ici? Warp shop. On va aller vendre ça. Ok, faut aller au spawn, je crois. Ouais. Tu pourrais me recruter, j'y suis plus trop. Non. Mes chers. Pourquoi j'ai cette chanson? Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Je suis fatigué. Ah bon. Les shops sont là. Donc je disais. C'est quoi ça? Ok. Il est genre en plein milieu là, personne s'en fout. Tout le monde s'en fout de lui. Mais c'est pas grave, il est là. Donc regardez, 206, ça fait quand même 103$, tu sais ce que je veux dire. C'est un bon montant d'argent. Il devrait mettre aussi les émeraudes à vendre. Et ça. Donc là on doit faire cuire ça, plus ça, et ça. Et puis let's go. Bon ben let's go, on va notre home skybase les gars, puis à tout de suite. Yup les gens. Donc on se retrouve, on va construire cette magnifique base. Donc on va faire juste un cube 10 par 10. Assez petit, c'est juste histoire de mettre des coffres. Plus que c'est petit, plus que c'est sécurisé. Ensuite on va le sécuriser de l'autre façon. Donc un instant. Juste prendre ça. Faut tout le temps aller faire ça vu que j'ai pas trouvé de casse à Aqua Infinity. Donc voilà. Là le but c'est de sortir l'eau de là. En fait, voilà. Regardez, je vais vous montrer. En gros c'est de fermer ça, reboucher et avoir genre d'endroit sécurisé. Pour avoir au moins des coffres sécurisés avec genre des tables d'enchant, des trucs comme ça. En plus c'est sous l'eau donc c'est quand même plus compliqué à pénétrer. Je crois, je suis pas certain. C'est pas grave, de toute façon même si on se fait piller, c'est pas tellement grave pour moi. Enfin moi je m'en fous quoi. Donc voilà, attendez un instant. Voilà. Et on va retourner là. Je sais que c'est un peu casse-couille à cause que j'ai pas de Aqua Infinity, mais bon. On pourrait peut-être faire un autre système, peut-être plus mieux, je crois. Genre comme ça. Ah non. Fonctionne pas non. Je sais pas, c'est chelou. J'essaie de faire un genre de... Je m'y connais pas du tout avec les systèmes d'eau pis tout les gars. Pas vous le cacher que c'est pas trop ce que je préfère. Donc je pense que rendu en haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir juste boucher la première couche et l'eau va tomber tout de suite vu que c'est des sources d'infini. D'eau pas infini, du moins je l'espère. Donc voilà, on verra bien qu'est-ce que ça donnera. Vite. Descends.
What? Ok, je me demandais pourquoi j'arrivais pas à bouffer une pomme. J'étais genre, what the fuck? Oh là là. Ok, un instant. Donc, voilà. Comme ça, comme ça. Comme ça. Faudrait que j'aille chercher d'autres cobos, j'en ai plus. Tac, 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 tac. Oh shit, je me suis fourré. Voilà, je vais chercher d'autres cobblestone. Ah, j'en ai encore un stack. Bon, je vais quand même aller en chercher parce qu'on en a pas beaucoup. Skybase. Et puis ensuite, les gars, je dois aller faire un gros quelque chose. Ensuite, aujourd'hui, ça va être une vidéo. Ça va être une vidéo vraiment calme, relax, tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de moment tranquille, vous et moi. Et je crois. Oh, allez, attendez. Voilà. Je crois que ça va nous faire du bien. Tous ensemble. Donc, on new base, let's go, c'est parti. J'ai fait à 100. Je l'ai fait à pas 100, 1300. Non, c'était à combien j'ai fait? Je l'ai fait à 3100 blocs de ma base, ma Skybase. Donc, de ma Skybase à ma base, j'ai fait à 3100 blocs. Donc, enfin, qu'est-ce que ça permet? C'est que si je me fais piller un, la personne ne sait pas immédiatement et où. Mais maintenant que je viens de le dire, oui, mais bon, détail, c'est quand même. Vous savez pas ça moi en plus. Non, 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 non. Mes chers parents, je vole. Ok. Là, c'est bon. Ok, là, c'est la dernière couche. Ça c'est cool. J'ai appris aussi qu'il n'y avait pas de pommes cheat sur le serveur, donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça c'est que ça veut dire que les pommes dorées sont super importantes pour la survie de l'homme. Donc c'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir que ça soit comme ça. Donc ensuite, là c'est ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça dans toutes les cubes du reste du truc. Donc attendez, je suis en train de me noyer, le calice. Donc voilà, là c'est juste couper ça. Ensuite c'est plus simple. Alors, ensuite c'est très très simple. Hein. C'est juste rembourrer, tout casser, puis voilà, basta. C'est pour ça que j'ai fait un cobble, comme ça on sait exactement où est-ce qu'on peut arrêter de casser. En plus, ensuite ça va juste être remplacer la cobble par de l'obsidienne, puis voilà. Oh shit, je regarde pas mes cœurs. Donc c'est la même chose là, c'est tout juste ce qu'il faut faire jusqu'en bas. Donc c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tout le long. Ça va me casser les couilles en fait l'eau. Bon, s'il y avait eu des éponges, ça aurait été un peu plus simple, mais là, il n'y a pas d'éponge, donc c'est quand même assez compliqué. On va quand même se débrouiller. Ben, c'est pas que c'est impossible, hein, c'est possible, justement, au contraire. C'est juste un peu plus long. Et un peu plus chiant. On va vite fait se reprendre de l'air avant d'en perdre. Voilà. On va faire le fond là-bas. Oh shit, mon truc est parti. Ça se peut que vous m'entendez plus. Allô? Ah, c'est bon, ça marche. Comme j'ai dit, je suis désolé pour ma voix, je suis malade. J'essaie de faire de mon mieux pour que ça se ressente. Mais voilà. Attendez, vite fait comme ça. Comme ça, comme ça. Oh, là, il faut que j'aille prendre de l'air.
Ok, je vous retrouve quand c'est fini, à tout de suite. Yup, bientôt fini les gars. On me dit bon, on ira chercher une hache après au pire des pires. Ok, je vais chercher une hache. Donc on enlève ça. Et on skybase. Et normalement les gars, ça devrait être bon. Yes, enfin, enfin. Enfin! Putain! Ok, il n'y a pas de hache. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va retourner là-bas, puis on va le casser à la main. Allez! Allez, 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 allez. Pourquoi il y a encore de l'eau? Ça je pensais. C'est ça que je pensais. Fuck! J'avais oublié une couche. Ah c'est pas grave. Au moins c'est gardé, c'est fini maintenant. On peut éliminer tout ça. Voilà. Puis comme ça GG. Ok, what the fuck? Je sais pas pourquoi les gens me spamment d'un coup. En fait genre, oh, quand il fait des vidéos, on va aller vite, on va le spammer, allez. Oh shit, ça va être long si j'ai oublié plein de sources comme ça, man. Ça va vraiment nous retomber dessus à chaque fois, ça va être crissement chiant. Donc voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Le prochain épisode, ben ça va être la construction totale de l'intérieur de la base. Donc on va continuer ce qu'on fait un peu vite fait là. Je vais finir là, presque terminer en hors rec. Et la prochaine vidéo, vous allez avoir quand on va poser l'obsidienne, etc. Donc voilà les amis, à la prochaine. Je vous aime. Salut, à plus.